fabriqué en Bulgarie, composé d'une grande roue, de deux roulettes stabilisatrices et d'un bâton pour diriger et freiner. Voici le Halfbike, un nouveau moyen de transport tendance et aussi le futur partenaire des sportifs. À mi-chemin entre le vélo et la course à pied, le Halfbike permet de travailler les parties du corps sur lesquelles on s'attarde souvent moins. Il aura fallu du temps à ses inventeurs pour mettre en place le système. J'ai beaucoup aimé le concept et cela nous a pris plusieurs années de discussion et d'amélioration pour arriver à ce résultat. Nous avons défini plusieurs prototypes pour voir comment développer l'idée et obtenir un modèle de travail. Avec son cadre très léger en aluminium et contreplaqué, le Halfbike tourne facilement. Très léger, moins de 8 kg et plutôt compact, il est facile à transporter. Reste qu'il faut prendre le coup et c'est pas toujours facile. Quant au coût financier, celui-là comptait environ 600 euros. Direction à présent la Lituanie et une autre technique de pédalage où comment, grâce à un système spécial, vous pouvez transformer votre vélo standard en une bicyclette électrique. L'outil en question s'appelle Ruby. Ce système de guidage électrique se clipe sur n'importe quelle deux roues. Une fois fixé sur la roue arrière, Ruby permet l'impulsion. Le cycliste peut alors se laisser porter. Ruby est unique en son genre dans sa façon de transférer directement l'énergie à la roue du vélo, car nous n'utilisons ni chaîne, ni propulseur, ni courroie, ni rouage ou engrenage. Ruby ne pèse que 6,5 kg et peut même atteindre les 25 km/h, un vrai petit bijou dont le prix reste quand même assez élevé. Comptez 900 euros pour pédaler en toute tranquillité.